amis internautes. Déjà, vous capable de constater là, c'est un paquet de choux et nous sommes arrivés à saisir ce frontière là. Amis internautes et qui t'a rentré en bas fil autrement dit illégalement en Haïti parce que nous connaissons les frontières fermées, amis internautes qui sont aussi en République Dominicaine. Voilà, c'est plusieurs et sac chaud qui là, amis internautes. Yo, il y a une mauvaise odeur, mais ils t'a rentré illégalement. Ils sont capables de venir vendre en Haïti. Et bien, je mets ça pour eux-mêmes qui étaient très vigilant sur le frontière là, et bien il est arrivé saisi et chou ça yo. Et voilà, je vais mettre l'eau. Et à jamais ça peut être sécurisé. Il a sécurisé, c'est pas ça. Voilà. Donc on est, bien c'est chou qui t'a rentré illégalement en Haïti, amis internautes, qui t'a passé en bas fil pour rentrer en Haïti, puisque nous connaissons la frontière là lui-même, les fermés. Depuis plusieurs semaines, et le président de la République dominicaine a pris une décision pour fermer les frontières. Et bien, ça c'est chou qui a baissé entrer illégalement en Haïti. Et bien, HB Sapio eux-mêmes, ils ont saisi et puis ils ont arrêté les citoyens lui-même, et chou ça lui-même. En possession lui. Alors en possession moto, puisque c'est sous moto monsieur, sous moto et 3 août, eh bien il aussi. Avancez monsieur, avancez monsieur. Et t'as pas ces chou ça aussi? Voilà, ça c'est citoyen, ça lui-même qui était bien. Je suis ça, ma belle. Et après déclaration, c'est pour l'autre monde sur vous. Je suis là qui t'a dit de garder les amis internautes, parce que tu as vraiment senti. Voilà. C'est plusieurs sacs. Voilà, à Jobi Sapio eux-mêmes, qui a sécurisé les citoyens. Je vais saper qui a sécurisé les citoyens. Et nous connaissons le message passé ce qu'on a lancé pour dire que les citoyens n'ont pas allé à l'acheter en bas fil pour faciliter que les gens ne paient pas des ordres qui font ce côté-là. Mais nous ne pas attendons pas. Nous continuons à acheter des choux pour que les citoyens nous disent. Donc, je continue à acheter en bas fil, les amis internautes, passer en bas fil ensemble avec eux, voilà. Ils vont être ensemble avec nous, voilà. Et agent de sapeurs qui rentre et puis ils sécurisent l'espace. Donc, voilà. Dis-le-vous, parce que Dominique Fernando, il y a une frontière de la son vieux bagage. Tout sorti, sous la sortie, libre à bon dos. Je ne j'en ai pas, c'est pas ça qui a pas nous doulant. Je ne j'en ai pas, c'est pas bon dos. Dis-le vous en plus, monsieur. Pour le pire, c'est comme ça, nous ne pas la grande, nous ne sommes pas la grande. Nous sommes en pile. Et nous félicitons nous canal le cap de machin dans le moment sans. Et nous félicitons nous, Gaspondo qui voit moto, moto, cyclette pour Bessabo, à comporter mon endo, dans la mécanique pour Bessabo, pour l'agenda, pour le moto, pour le grande, pour les autres. Après ce travail, ben ça fait là. En pile, Jacquando qui fait ça d'eau. Et ma femme pour le Jacquando qui est volontaire d'eau. Vino et Bessa pour nous, pour nous faire la game d'eau. Parce que même femme en pile d'eau. Moi, j'aime bien un d'eau, faire au félicitant d'eau, pour nous faire un cadeau en bas d'eau, pour nous faire tout d'eau. Et madame, nous sommes d'eau. Oui, ça me l'a dit. Il y a toujours crié d'eau pour la gloire, on a toujours travaillé au contraire d'eau. Nous n'avons jamais baissé tête devant M. Abeladel. Et c'est nouvelle. On a fait un mando, il y a 5 ans. Tous les autres ans, on va féliciter le ministre haïtien, qui est Ariel Henry. Il ne pourra jamais venir en dos. Il va avoir qu'un matin en dos. Il va avoir qu'un mois en dos. Il coupe l'autre monde qui a porté en dos. Il va avoir deux en dos. Et féliciter le mando, tout le monde en dos.
qui dépense le canal là, te campagne d'eau, il va campagne d'eau. Le canal là, bien machin d'eau. Nous, qui peut venir dans l'eau, pour te passer par son eau. Comme il t'en doit, bah, j'ai un dos. Spécialement d'eau, il faut respecter un dos. Parce que c'est un gros bataille en l'eau. Il faut gérer un dos, il faut respecter un dos. Parce que j'ai mal dans petit dos, nous commandons un grand pile. Je vais rentrer dans l'eau, avant que je rentre dans l'eau, malgré tant d'eau. Yo ke mon no, mon ti nego ki ta palando. Yo ma detando, yo ba priando. Yo rele likotando, yo vin pwendo, ela ke kanalo. L'état ici ndo a pa jan fò soukendo. Sa sa fait des pou des raisons ndo, des fois ma palando tout pendo, pou pa le ba répondo en paraso. Jounè jò tando, ma mande l'état ici ndo a. Ki sa y fait sous décision, si jeune ça qui t'a parlé dans le canal là, je ne sais pas si c'est un coup de jambe qui a parlé en droit. Et puis, il prend d'abord, il a maltraité, il a fait une pointe, il y a la capitale. Maman de l'État haïtien, qui suit le pays? HB Sapio, HB Sapio, c'est un internaute qui a sécurisé ce passage là. Il est rentré ensemble avec elle et puis il a tout sécurisé. Donc, c'est comme ça est. Nos zones côté construction canal là fait là lui-même et HB Sapio même qui t'a fait patrouille sur frontière là quand ici avec moto qui était sur voie matin il était sous lui et puis il t'a fait patrouille sur frontière là et puis il est arrivé et joué un citoyen ça lui-même qui était gon petit moto droit ou qui chargeait avec chou et plusieurs sacs chou et dans petit moto mais chou qui était gâté qui était vraiment et à bail mauvais sens des amis internautes et qui vraiment bail mauvais sens et d'après déclaration citoyen non coup de déclaration il fait connaître que Chuyo c'est pour l'autre citoyen qui était bal côté c'est Haïti pour son côté Haïti alors l'un dit son côté Haïti c'est un bas fil côté que qui pas gagné qui monte mais il dit c'est pour citoyen ça et l'ennemi de pour citoyen dit citoyen il parle mais c'est lui même agent de Sapio intercepté ensemble avec plusieurs sacs choux qui tape et tenté d'entrer illégalement en Haïti puisque nous connaissons frontière là lui-même, lui fermé et République Dominicaine et nous avons dit président Abinader qui prend une décision pour fermer frontière lui-même et pour rien pas entrer en Haïti. Et malgré ça, il y a plusieurs Haïtiens ou bien Dominicains qui ont fait tentative de vendre des produits exotiques et la caille voisine. Donc c'est comme ça, les amis internautes, voilà, un peu le monde. Pierre-Antoine Louis, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Oui, bonjour Monsieur Diocel, bonjour à collègues, toute sa frère Joa, auditeurs et auditrices. Ok, bon, me permettre une question qui est plus ou moins large pour capable de faire parler. Non, de qui ça nous doit comprendre de votre ça qui fait hier dans le Conseil de sécurité, en côté 13 membres conseil ont voté en faveur de la résolution ça que États-Unis avec Équateur ont écrit. Qui ça nous doit comprendre à travers la décision ça? Donc, moi, je vais parler à partir du reportage et à partir de et tout le temps que je passe hier, 1h26 minutes là, dans la session pour m'écouter, pour m'attendre, me prendre note surtout de ce que la Chine et la Russie, que j'ai été expliqué, le fait qu'ils ont abstenu. Bon, premièrement, on nous dit ceci. C'est une résolution que le gouvernement haïtien tapetonne depuis le 7 octobre 2022, parce que le 6 octobre, le Conseil des ministres a été autorisé par une résolution publiée dans le Moniteur, le Premier ministre, pour demander les Nations Unies un appui international armé, parce qu'ils font constat que la police nationale, malheureusement, repose uniquement sur la police nationale, il n'y a pas parlé de force armée, pas capable d'établir la sécurité. Maintenant, Américains, le 8, le secrétaire général des Nations Unies entériné demande à Haïti, qui en passant est coordonné avec les États-Unis, qui avec l'Équateur a mené dossier à Haïti dans le Conseil de sécurité. Donc, presque un an plus tard, le 2 octobre 2023, résolution adoptée. C'est un long parcours, c'est un bagage qui est extrêmement compliqué, il est complexe, il est extrêmement difficile. Américains ont cherché, ils ne peuvent pas rejoindre nos pays. Finalement, le Kenya a accepté FEL parce que le Kenya sont alliés des États-Unis ou après qu'il y a aussi un accord militaire sur 5 ans. Donc, la Chine et la Russie ont signalé par la résolution 2692
du 15 juillet 2023 que on était capable d'accepter une mission en Haïti. Le paragraphe 18, il a demandé au secrétaire général là pour lui faire une recommandation à la suite de consultation avec l'État haïtien, le gouvernement haïtien, disons, sous soit une force multinationale, soit une mission de maintien de la paix. Le 14 août, qui se passe là, le secrétaire général là, vont l'aide par conseil là, lui proposer une force multinationale. Entre temps, le Kenya a voué une mission d'évaluation sur le terrain pour essayer de comprendre les menaces, pour essayer de comprendre ce qui a passé. Et puis, je dis à nous, côté nous, bon, moi estimé que la Chine et la Russie, qui ont un problème géopolitique à régler avec les États-Unis, ils ont accepté pour une résolution en passé. Yo pas utilisé votre nom yo qui t'a un veto, ça veut dire si soit Chine soit Russie t'es dit non résolution pas t'a passé parce que c'est mon permanent conseil là votre négatif yo signifie un rejet. OK, donc ça me t'a dit c'est que la Chine et la Russie en fait fait Haïti une grande faveur, ça a fait beaucoup de résolutions, mais Jean représentant deux pays ça t'a parlé hier là et pour accepter la résolution passée par une abstention au lieu d'utiliser le droit de veto pour voter non, ils ont exigé des balises dans la mission. Par exemple, nous rappelons que le ministère a quitté le choléra, il a quitté un paquet de monde sans papa, il a quitté des gens qui étaient violés, grand pile abus qui étaient faits. Et puis, pendant 14 ans, le ministère, du 1er juin 2004 au 15 octobre 2017, pas aucune stabilisation qui est faite. Maintenant, pas un étranger responsable. Bon, c'est nous-mêmes qui responsables. Le fait que pas de stabilisation dans le pays, nous, parce que nous pas profiter de présence mondiale pour nous faire ça, pour nous faire. Mais Chinois, yo, avec Kouchou, ils ont gardé passer ça, ils ont gardé passif ça, tout bagaille mal qui était fait, yo. Et puis, ils ont demandé aux Américains avec Équatoriens, yo, pour y aller, faire des changements dans la résolution, hein, dans le sens pour yo ta capable ouais est-ce que yo pas ta capable mettre des mesures pour que les moun yo vinn là pour yo pas comporter yo dans même sens que ministre a te comporté là. Bon, maintenant ça son service yo en nous et yo expliqué hier pour que ça fait ça, yo comprendre que Haïti gagne plus problème, yo dit yo extrêmement réticent pour yo accepter que le Conseil de sécurité utilise le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Chapitre 7, là, mais ça le dit. Il dit, le pays constitué une menace à la paix et à la sécurité internationale, tel que Haïti est le cas actuellement, par exemple, Haïti constitue une menace pour la République dominicaine, pour la Jamaïque à côté, pour Cuba à côté, et pour le Bahamas, les îles Turques et Caïques, en fait, toute sous-région Caraïbes là, et même jusqu'au nord, vers les États-Unis, à cause d'une migration incontrôlée, et que l'État haïtien faillit, n'importe monde qui entre en Haïti, ou fait n'importe l'obéit, il y a des répercussions sur toute zone là. Maintenant, donc, c'est rôle ça, Conseil de sécurité a gagné. Le bagage ça a arrivé. Chapitre 7 là permet le Conseil de sécurité pour lui autoriser des mesures allant de l'embargo économique jusqu'à utiliser la force armée pour essayer de résoudre le problème. Non. Donc c'est chapitre ça l'ONU utilisé. Et oui, si avec Chinois, ils ont réticence pour accepter la formule, ça ils pensent qu'ils ont abus qui fait de chapitre 7 là. Mais alors, on dit tout, si on a analysé pour étudier Captain Deo. Les ont gens bizarres pour obtenir la Russie à parler d'ingérence dans l'affaire au pays en utilisant le Conseil de sécurité à travers le chapitre 7 pendant que l'année passée, le 24 février, la Russie envahit un pays voisin qui c'est l'Ukraine sans aucune résolution, sans rien, comme quoi la Russie voulait dire, sous le fond l'obéi dans le pays, on y calfèle, on va besoin d'utiliser l'ONU pour faire. Donc on peut interpréter le conseil à tout. Mais nonobstant, c'est situation telle que nous connaissons, résolution un peu qu'on sortit pour nous. Donc, mission 1, advenu en Haïti. Moi, estimé que ça prend probablement d'ici le 15 décembre pour tout le monde qui est là. Parce que son gros coquin chaîne logistique, un paquet de bagailles qui t'a supposé mettre en place. Je ne vais pas anticiper trop, mais je vais poser des questions. Oui, non. Alors, date 15 décembre, non, c'est peut-être vous-même qui fixez selon son pensée qui s'amendait comme mise en place. Mais voilà. Jusqu'à présent, c'est ton naptan. Mais ça qui est important, tant qu'un pile Mounzili et gagné. Gouvernement qui dit donc son premier pas qui franchit dans le cadre venir fort ça. David Mado, et par exemple là, qui différencie gain entre une force multinationale et une force de maintien de la paix
Et puis, puisque ça ne gagne là, son force multinationale, selon le secrétaire général des Nations Unies. Voilà. Donc, effectivement, mission est mission multinationale de soutien à la sécurité. Alors, OK. Nous partis. Maintenant, une mission de maintien de la paix que nous connaissons mieux, parce que le ministre Affaires est 13 ans là. Une mission de maintien de la paix, c'est. OK, bon, faut que nous nous aider. So, président Aristide quitte le pays. 29 février 2004, si vous rappelez. 2004, oui. Le lendemain, Américains, Canadiens, Français, et moi, j'étais un Chilien, tout, vini avec une force. Parce que, vous vous rappelez, Guy Philippe, si vous vous rappelez, Guy Philippe tape des sons avec des sandales et des guerriers, presque arrivé sous Port-au-Prince. Et puis, Américains ont dit que vous voulez éviter le chaos. Président Aïssi dit que vous voulez éviter bien de sang, quitter le VIA. Et Américains ont dit que vous voulez éviter le chaos. Yannick Vini, sans résolution des Nations Unies. Ça, c'est une force multinationale. Sauf que, force multinationale, ça, que tu es un Américain, que tu es un Canadien, que tu es un Français, que tu es un Chilien. Il n'y a pas de bien onction ou encore l'autorisation du Conseil de sécurité. Yannick Vini, président Aristide Allé, il a freiné l'action Guy Philippe là, il a établi dans le pays. Là. Et puis, bon, les États-Unis avec la France, c'est deux membres permanents du Conseil de sécurité. Ils ont considéré Haïti comme faisant partie de leur chasse gardée géopolitique. Donc, ils ont utilisé. Période du 1er mars 2004, là, on fait intervention yo, jusqu'au 1er juin 2004, on fait ça au tap en Haïti. Ya. Et puis, on a demandé au Conseil de sécurité une résolution qui était adoptée le 1er juin 2004, qui vient mettre en place la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, ministre. Donc, on transforme les forces multinationales là en un mandat de l'ONU pour y mettre ministre. Donc, maintenant, mission de maintien de la paix, les bons mandats de l'ONU, c'est une mission qui mettait en place par l'ONU. Okay, on dit que l'ONU n'a pas l'armée. Donc, même force de maintien de la paix sont forces multinationales liées, parce que, puisque l'ONU n'a pas l'armée, donc ça pour le faire, c'est 194 pays membres pour le demander. Mais nous avons une mission que ce Conseil de sécurité a établi là. On dit, bon, premier contingent ministère, on a fait de 12 000 soldats là-dedans. Nous avons besoin de 12 000 soldats. On a demandé aux pays contributeurs de troupes pour ouvrir les troupes. Et puis, il y a un pays qui voit 1000, il y a un pays qui voit 500, il y a un pays qui voit 300, il y a un pays qui voit une compagnie, il y a un pays qui voit un bataillon, ouais. Et puis, pays qui voit plus de monde, il prend un commandement force là. C'est comme ça que le Brésil te prend un commandement et ministre. Okay. Donc, quand il y a, ça passe, donc, effectivement, force maintien de la paix, hein, différencié avec force multinationale, là, c'est que c'est l'ONU lui-même qui établit et qui opère, qui fait fonctionner, qui baille l'argent, qui finance. OK? Opération de maintien de la paix. Hein. Ouais, Mounio, il n'y a pas mis des casques militaires, il mis des casques bleus dans la tête. Parce que le drapeau de l'ONU, il est bleu. Et puis, machine, il a écrit UN. Maintenant, force multinationale, là, c'est deux ou plus de pays qui d'accord pour intervenir dans un pays et puis pour, avec une mission pour aider à rétablir l'ordre. Maintenant, mission américaine, le président Aristide Finale a avant ministre d'établir ses saletés, mais bon nuance entre mission ça et ça qu'on va le faire là. Ça qu'on va le faire là, Kenya insisté. Et l'autre pays, contributeur de policiers et de soldats, a insisté que pour participer dans la force multinationale, il faut avoir un mandat du Conseil de sécurité. Mais avec ce coup, pour qui ça? Regardez, pour un pays, vous êtes soldats dans un pays, ça a fait pratiquement trois façons. Un, on va y payer carrément. C'est ça, les Américains ont fait ici en 1915-1934. Ils ont demandé à Haïti, ils ont demandé à Haïti autorisation à Yannick Vini, ils occupent le pays. Ils ont fait le tour de la République Dominicaine en 1965. Deux, ils sont capables d'avoir un accord avec un pays d'assistance mutuelle. Côté que si vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème. Oui, c'est ça. Et l'organisation du traité Atlantique Nord, ça a eu l'OTAN, c'est comme ça a fonctionné. Ok, article 5 et Charte OTAN dit, soit d'accord au pays de l'OTAN, il y a bien invoqué l'article 5, c'est comme si on attaquait tout le pays membre de l'OTAN, parce qu'ils ont tout deviné à la défense de pays ça. Maintenant, Kenya n'a pas gagné encore ça avec Haïti. Troisième possibilité, là, c'est venir dans le cadre d'une mission, d'une organisation régionale, par exemple,
ou sous régional, par exemple, mission les Américains ont envahi la République dominicaine en 65 ans, ils ont utilisé la couverture de l'OEA, l'Organisation des États américains. Donc, dans le cas ça, comme de l'autre condition n'ont pas existé, qu'il n'y a pas de velléité, il n'y a pas aucun problème en Haïti, il n'y a pas d'envahir Haïti. Deux, il n'y a pas d'accord avec Haïti d'assistance mutuelle. D'ailleurs, c'est tout récemment, il y a deux semaines et demie à peu près, deux pays ont établi diplomatie et relations diplomatiques parce qu'ils ont anticipé que mission va le faire. Donc, troisième façon, hein, c'est le Conseil de sécurité et Kenya a insisté, l'autre pays a insisté, Américains a insisté, Haïti a insisté, et que pour le déploiement international là, qui a légitimé, que gain une résolution du Conseil de sécurité qui établit mission, c'est-à-dire li bal une raison d'être, li bal et résolution nous bal ouais, cap dit qui sa mission est, qui sa mandat est, qui bal un mandat initial, c'est mon mandat de un an, dont durée d'un an, mais son mandat de un an, son un an initial. Moi, je me dis, mon y a plat en 3 et 5 ans, minimum. N'a rien à parler de ça. Mais, donc, à l'aide de résolution ça, Kenya a une couverture légitime avec l'autre pays qui a venu. Pour qui ça? Ok. So, ça veut dire, ça qui va passer là, même à partir de jeudi, Kenya avec Haïti, pour négocier, ça a eu un accord de siège qui pourra l'établir règles jouettes là. Des règles d'engagement. Dans qui sens Kenya avec l'autre pays qui a participé dans la force multinationale là, capable d'intervenir en Haïti. Un, il y a trois missions. Une, pour aider à protéger les bâtiments publics. Deux, accompagner la police dans des opérations. C'est-à-dire la police prend une opération pour démanteler une gang quelque part, force multinationale là pour aller avec eux. Trois, formation okay, de la police nationale. Vous remarquez, il n'y a pas parlé de l'armée. Donc ces trois missions, ça, et force multinationale là. Et le OVNI, le NAP négocie un accord de siège là avec Haïti. Là. Dans le contexte diplomatique, le type de bagage, ça va faire soit en force multinationale qui est en action de l'ONU et ou bien une force de maintien de la paix, bien ça aurait lieu en diplomatie les immunités et les privilèges diplomatiques qui viennent avec statut. Donc c'est qu'en gros, chaque policier, chaque soldat qui va venir là, chaque personnel civil qui va venir là, sont diplomates. Il y a une couverture diplomatique ou pas qu'à poursuivre en Haïti pour un ou faire là. C'est une raison de faire, ils veulent résolution. Tandis que, si son force d'occupation, Jean-Américain a été fait après le président Aristide Finale en 2004, ils ont venu, ils n'ont pas gagné immunité diplomatique. Si ils font l'obéi, ou t'as supposé qu'à poursuivre, sauf que c'est les États-Unis, ou pas le gouba avec Américain, ou pas qu'à faire. Donc, à cause de siège, là, qu'on prend, pour l'établir avec le jouet là, Haïti prend le chita avec le pays qui a participé, ils ont dit, maintenant, qui contexte n'a pas intervenu, mais qui ça n'a pas fait, si une troupe nous, une policier nous, une personnel civil nous, t'as commis un acte, ok, mais qui j'en, et ça va le faire. Et typiquement, il y a pas de retirer mon dans le pays. D'accord. Il voit le pays côté le soutien pour y aller poursuivre l'autre bord, mon pas qu'à poursuivre dans Haïti. Ouais, comme dans le cas de la ministre et le colère et ainsi de suite. D'accord. Donc, grosso modo, c'est différent ça au gain entre force multinationale et une mission de maintien de la paix. D'accord. Restez avec nous après le monter drapeau. M'en vais poser aux questions ça, puisque il y a un peu de monde qui eux même alors, on parlait de catégorie qui n'est pas d'accord avec Foslan. On dit que ça fait plusieurs missions déjà que Haïti connaît, mais pourtant, la situation nous a dégradé chaque jour. Puis plus, moi, j'ai demandé tout à l'heure comment nous-mêmes, en parler de Haïti, t'es capable de profiter de présence dernière force multinationale. Ça. Excellente question. Premier bagage, nous devons faire. Et ça doit commencer déjà. Et si vous ne pas commencer déjà, je vous dis, il faut nous commencer à faire ça. L'État a un rôle pour jouer, l'organisation société civile a un rôle pour jouer, y compris sacrété dans l'université. Parce que l'intellectuel a un rôle qui a joué dans le bagage. Qui est quoi? Maintenant, ça, un peu haïtien doit accepter, commencer à comprendre, déjà sous fondation pays. Ou pas qu'attendre personne pour vous, c'est vous d'abord qui pouvez aider tête.
pour pays ça après indépendance mon yo pas de rien dans main yo. OK, la loi, le code noir te même interdit que apprendre lire, que apprendre écrire, voir que ta vin soldat. Yo goumen, yo goumen, yo rentre tête que non sé de bagaille, yo vin soldat français. Yo yal goumen juste aux États-Unis, y apprendre qui j'en peux fonctionner. Yo joindre les armes, yo goumen, yo battre yo et indépendance. Et puis yo conduit pays a jusqu'à un certain temps côté nous commencer dégringoler. Nous commencer dégringoler. Le Haïti suspend reconnaître que c'est lui qui fait pour tête lui et puis nous rendre étrangers responsables tout ça crime nous. Le ministre était là de 2004 à 2017 là, nous avons gagné pour nous renforcer la police nationale. Nous avons gagné pour nous ballon effectif suffisant, nous avons gagné pour nous ballon moyen suffisant, et l'argent personnel, nous avons gagné pour nous faire un plan de carrière, nous avons gagné pour entrer dans la police, son carrière bagalaye, et nous avons gagné tel, et nous dans la police, nous avons gagné mal, nous avons gagné tel grade. Et que bagaille n'a pas fait en 10 ans, et ainsi de suite. Nous pas fait ça. Mm-hmm. L'autre bagaille, nous fait pas ça. Nous libéraliser pays à net, côté nous mettre tout tarif pays à presque zéro pour nous importer du riz, au lieu de nous produire du riz. Et au lieu de nous posséder, nous avons tout ingrédient pour nous faire ciment dans une zone bonne la pierre, la Gonaïve. Au lieu de nous faire ciment, nous avons importé ciment et par paquet, et puis nous mettons dans le sac. Et nous craser l'économie pays à net pour nous peuple à dire Miami pour le manger. Et puis aujourd'hui, nous vîmes tellement dénudés, nous désindustrialisés, même République dominicaine, un pays que nous dominions de 1822 à 1844, 1861 nous étions encore à PDO, 1863 nous étions encore à PDO. Aujourd'hui, il y a passé nous l'autre. Peut-être qui ça? Parce que l'attitude nous aujourd'hui, c'est pour nous chiter à demander. C'est qu'on a demandé permission pour une force de police qui a agi, Jean doit agir, selon la Constitution. C'est qu'on a demandé permission pour nous mettre en place des forces armées d'Haïti. Et Haïti n'a pas existé sans l'armée. Les États-Unis n'ont pas existé sans l'armée. La République dominicaine n'a pas existé sans l'armée. Mm-hmm. Mais nous, Chita, nous quittons l'autre, on a dit nous qui j'en pour nous agir. Ou après marquer. Tout ça qui a parlé là, c'est une première faute. Yo. Tout ça qui a parlé là, il a parlé de police. Maintenant, si nous y a venu, yo, même nous reconnaître. Que faut venir avec une force hybride qui est un policier, qui est un soldat. C'est parce qu'ils reconnaissent que le problème, non, il y a un problème uniquement de sécurité publique. Mm-hmm. Donc, il y a un aspect militaire là-dedans. Donc, ouais. Pour qui ça, nous-mêmes, nous devons accepter ça? Pendant, ils disent, ils m'ont mis avec la police, pas de problème. Qui est grave avec la police? Sauf qu'il y a un décile qui va prendre, nous prenons un cobla, nous ranger nous pour nous ranger la police. Nous-mêmes, nous utilisons le cobla, nous, hein, pour nous mettre en place des forces armées qui ont une doctrine. Qui vient là dans une marine nationale avec un garde-côte qui a patrouillé la frontière et ainsi de suite. C'est-à-dire, bon travail pour nous faire pendant Mounio là. Mounio vient là pour nous donner une chance pour nous tirer les leçons de l'effondrement de l'État. Okay? De pile jeunes, pile garçons et deux, trois femmes ça, qui prend contrôle l'État, qui assujettit l'État à rien pas. C'est gros potentat, oui. Ou qu'on y a là, l'État mobilise un paquet de l'argent, mais n'est pas bambilé. Parce que yo pas fait un et même fatra ou pas ramassé. Donc faut et association société civile yo, mm-hmm. Université a commencé réfléchir dès aujourd'hui à son plan national de sécurité. Un plan national de sécurité mais aussi c'est politique là qui mène toute bagaille dans le pays. Parce que c'est politique là qui vient pour diriger pays a pour la stabilité dans pays a pour prendre des mesures de politique publique pour adopter des lois pour faire les réformes institutionnelles de concert avec la société civile dans le secteur privé par exemple côté où va le mettre au système dans pays a on va pas appliquer la loi gain stabilité ou suspendre faire les pas veut faut aller craser briser et pour rien ou descendre dans la rue voler bagaille monde sous prétexte que gain problème politique. Faut nous assurer une stabilité pour nous créer conditions pour nous venir investir dans l'agriculture dans le pays, pour nous venir investir dans le tourisme dans le pays. Pas qu'on l'autre pays dans le Caraïbe là qui a une vocation touristique plus qu'Haïti par rapport à la culture nous et histoire nous. Donc, faut nous profiter de la présence que nous avons là. Nous dit tête main pour 3 à 5 ans. Pour nous faire ça pour nous faire. Pour nous créer stabilité dans le pays. Pour nous d'accord, l'élection faite, on est perdu ou perdu. Qu'on y a ou pral dégager, montrer peuple là si au bon pouvoir faire mieux, faut nous faire ça. Faut nous créer conditions pour qu'un travail dans le pays, pour jeune garçon, pour jeune femme, jeune travail. On y a l'école, yo pas qu'à jeune travail. Pour yo capable marier, faire petit, veut nous caille priorité, loin ca ou bien fond caille priorité. Nous pas faire assainissement dans le pays là. Nous pas faire rien dans le pays là. Pour toute bagaille haïtien a besoin de blanc, a besoin de blanc. Et puis bon l'autre bagaille néfaste que n'a fait.
Mes amis haïtiens qui sont à l'étranger, yo, suspendez vos examens dans le pays. Ya. Mes amis, pour l'église, mettez avec à tout fait. Haïtiens qui vivent surtout au sud de la Floride, qui vos examens là, qui vos vieux matelas là, qui vos une série de gros vieux bus qui pas adapté à terrain, à route nous gagnons dans le pays. Ya. Parce que l'État permet n'importe fatra vivre dans le pays, ya, contrairement à sa constitution a dit. Tout ça, c'est problème que blanc pas capable résoudre pour nous. Par exemple, vous entendez, le représentant américain hier dit, il va voir des experts là dans toute forme de violence. Frem, Haïti pas besoin d'experts encore, c'est pas ça nous besoin. Frem, pas un expert qui va venir là, qui va faire nèg ici suspendre tout busy et femme qui avait ou qui madame yo qui petite yo qui boubout yo. Bon comportement que nous gagnons qui délétère faut changer, pas gain blanc qui vient changer ça pour nous. Oui. Pas gain blanc qui va venir là aucune technologie pour faire nous suspendre faire l'obé dans pays là. Mm-hmm. Faut Haïti gain un leadership éclairé. Faut qu'Haïti gouverne parce que là, il n'y a pas gouverné. Il y a son savant, tout le monde fait n'importe bagaille. Tout le monde vient chez Port-au-Prince, gonfler Port-au-Prince, pas aucun effort fait dans la ville, dans l'autre neuf département pour que nous vivions dans le pays. Pas gain l'école, pas gain soin de santé, pas gain route. N'a pas mangé dans Fatra, al sou frère la wa pour n'a pas mangé dans Fatra. Conditions dans lesquelles Haïti a vivre son bagaille extraordinaire. Nous pensons que Fatra nous supposons mettre dans la rue. Ça n'est pas blanc pour faire pour nous. Mais nous allons venir là, nous avons une chance pour aider. Travaille avec la police nationale, mais mes amis, m'a dit un dernier bagage, s'il vous plaît. Mm-hmm. Faut nous comprendre que n'est pas normal, le père de famille que je suis, il y a deux petites. Une balle 21 1er novembre, une fête 18 ans 21 septembre. Si tout ça nous fait, c'est quoi que nous allons tuer tout jeune garçon ça. Parce que Kenya va venir là, avec l'autre pays qui va venir, on va aller nous tuer tout jeune garçon ça. Pas mettre bagarre comme ça dans tête nous. Faut bon possibilité malgré toute ça n'a souffri là. Si monsieur yo, c'est nous mêmes qui créé yo, surtout nèg qui fait politique yo. Mm-hmm. Surtout deux trois moun qui gen cob peut-être dans secteur privé, pas de comprendre. Cap alimenter l'obé ça qu'a fait là. Faut nous comprendre que moun yo puis faut là pas même gon passeport, voir pour aller à l'étranger, à faire zam, yo pas qu'on faire zam ou bien acheter zam, c'est nous pour des zam dans baio, c'est nous qui utiliser pour nous faire l'obé politique nous. Mm-hmm. C'est nous même qui créer toutes conditions ça yo. Faut gagner un passerelle pour moun yo déposer les armes et si on pas déposer les armes pour nous poursuivre, pour nous prendre des armes dans les mains, par quelque façon que ce soit. Oui. Mais il n'est pas normal pour nous chercher étrangers pour venir là, pour nous tuer les jeunes garçons, pour que ça pour nous faire. Parce que le problème là, c'est un problème de sécurité lié. C'est pour insécurité à son conséquence de l'effondrement de l'État. C'est conséquence le fait que le pays n'a pas dirigé. C'est conséquence d'absence de politique publique pour nous suspendre acheter l'obé dans les Dominicains. Maintenant, supermarché avant hier, pendant que tout l'obé ça, nous avons présidenté. Ou pas qu'avant nous prestige en République Dominicaine. Pour qui ça ou pas négocier un accord avec la République Dominicaine? Bon ma bao. Ou pas accepter prestige, ou pas accepter président. Ou pas accepter prestige, président n'est pas rentré là. Normalement. Donc nous permettre tout l'obé fait dans le pays, toute énergie même entrer dans le pays, tout blanc maintenant vient là faire n'importe quoi. L'île pour élite haïtienne, nous prenons contrôle pays. À Kenya, un pays frère, avec un paquet de l'autre pays noir, pour avoir bonne chance pour que la première république noire, Jean représentant Kenya a été dit hier là. Capable de reprendre ses droits, capable de reprendre place li. L'homme où nous venons là, nous souhaitons pour 3 à 5 ans, ça va ben nous répit pour nous suspendre faire l'obéi, pour nous asseoir la stabilité politique, pour nous gouverner le pays. Pour nous renforcer l'institution. Pour nous joindre quoi? Pour nous renforcer l'institution dans le pays. Parce que l'État n'a pas qu'à dépendre de monde qui sont au pouvoir. Et actuellement, comme quoi c'est lui-même qui fait et défait. C'est la loi pour déterminer qui ça moun nan ka fait. Si moun nan violé la loi, même si le président, c'est que vous mettez en bas code, faut nous comprendre ça dans le pays. Le yon bon pouvoir, yon pas bon pouvoir pour tout baiser moun, pour faire l'obéi, pour marcher sur mon gros cylindre qu'on acheté, vite teinté, ou mettez plaque ou vle, ou fait sauvle, yon retourne dans la rue ou c'est papa. Ou c'est papa qui ça? Son fonctionnaire public ou bien pour appliquer la loi. Si. Nous continuons à faire même l'obé ça, nous faisons carré souffrir. D'accord. Merci. Ça fait une dernière intervention, nous prenons l'autre intervention toujours. Voilà. Merci un peu, Pierre-André et Louis. Pierre-Antoine, Louis, nous rappelons aussi. Pas de problème. Diplomate et avocat également et politologue. Merci un peu, parce que dans le jour, nous avons gagné encore pour nous parler, mais puisque nous avons plusieurs réactions sur votre ça, nous sommes obligés de prendre. Maintenant, nous avons gagné pour nous parler à nouveau. Merci un peu.